La surenchère verbale entre les États-Unis et la Corée du Nord pèse toujours sur les marchés ce jeudi. Les investisseurs se sont montrés prudents et nous avions un rouge unanime sur les places européennes. À la clôture de Paris, le Stoxx 600 reculait de 0,67% à 377 points. À Londres, le FTSE perdait 1,37% à 7395 points. À Francfort, le DAX, lui, reculait de 0,87% à 12 048 points. Enfin, de son côté, le CAC 40 perdait 0,37% à 5 126 points. Du côté des plus fortes hausses sur l'indice parisien à la clôture, seules deux valeurs étaient en petite hausse. Il s'agissait de Bouygues, plus 0,5% à 37,52 euros et de Veolia Environnement, plus 5% également à 19 euros. En revanche, à la baisse, nous avions Danone, moins 1,68% à 65,51 euros et AXA, moins 1,58% à 24,94 euros. Du côté du marché des changes, pour finir à la clôture de Paris, 1 euro valait 1,1723 $ et 1 dollar s'échangeait pour 109 yens 43. À la bourse de New York, c'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à demain.